wait for it. Justice reigns from above. GG. CS Hop. Pour cette saison d'Overwatch Contenders, pour moi, il n'y a pas vraiment d'équipes qui m'ont impressionné parce qu'il y a eu des hauts, des bas. Je trouvais que les équipes ont été fortes au début, d'autres moins fortes par la suite. Il y a eu des belles remontées. Je dirais que l'équipe qui m'a le plus surpris en termes de remontée, c'est Hungry Titans, en termes de niveau de jeu aussi. Bah, je dirais Giganti. Malgré... Enfin, je dirais Orgless, en vrai. Je pense qu'ils ont eu un mauvais départ de Contenders avec le départ de Cruz, qui est parti sur les Contenders Senna. Ça leur a un petit peu posé problème sur la première semaine, mais ils ont su revenir assez rapidement, et notamment ils ont mis un 4-0 à Hurricane, qui est une excellente équipe aussi. Donc on voit vraiment le potentiel d'Orgless à ce niveau-là. Donc voilà, moi pour moi personnellement je dirais Orgless. Après je dirais, pas très loin, je mettrais Hurricane et Gigantic, je trouve vraiment excellent aussi. L'équipe qui impressionne le plus, c'est ESOP. Bah, en dehors de mes joueurs, celui qui m'a impressionné le plus, je dirais que c'est Naga, parce qu'il a énormément progressé avec Copenhagen Flames. Je pense que le joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est le joueur Naga, parce que je trouve qu'il a une flexibilité et un niveau sur tous les héros. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout de la scène, et je le trouve vraiment très smart, très intelligent dans son jeu, et en jouant contre lui, je me rends compte vraiment ça peut être un très gros joueur pour plus tard pour le World League. Naga. Je dirais Naga. Naga de chez CPH, c'est un joueur vraiment très 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 bon avec un potentiel énorme. Et je pense que ce gars-là ira très loin dans le futur. Naga. Bah, je pense que ça serait peut-être Naga quand il aurait 18 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau Overwatch League, j'en suis persuadé. Comme je disais, bah, peut-être Naga. Après, on peut voir d'autres DPS. Davin, c'est quand même un bon DPS. Afikul, il a fait une bonne saison. J'ai pas vraiment vu en détail tout ce qu'il a fait, mais j'ai vu beaucoup de moments clutch de sa part. Après, il y a Tseni aussi. Je trouve que c'est un très bon joueur. Et il y en a d'autres. C'est vrai que j'ai pas vraiment trop regardé le niveau individuel, mais il y a de très bons joueurs qui ont tout à fait le niveau Overwatch League. Naga. Si. S'il y avait un joueur qui sortirait, ça serait lui, je pense. Franchement, je dirais Bokwan. En game, qui gueule le plus, je dirais que celui qui parle le plus, c'est forcément Nox, vu que c'est notre shot caller. Et donc du coup, il est obligé des fois d'oser le ton pour imposer des plans de jeu et pour imposer des calls de target. Mais ça nous arrive des fois d'avoir un pipou tonitruant quand il faut tuer des cibles qui sont low life. Alors les joueurs les plus vocaux en match, je dirais que c'est moi, parce que c'est déjà premièrement, parce que c'est moi qui en fait la stratégie, qui prépare les plans de jeu, qui lead in-game en fait. Après, en termes de vocalité, il y a Nico qui est très, très bon vocalement. Voilà, il comme très bien. Et ensuite, on a aussi Pipou qui est là pour un peu comme tout ce qui est backlane, etc. On va dire que voilà, c'est un peu ce trio qui s'organise au niveau de la com. Il y en a beaucoup, mais celui qui met le plus de watts, si on peut parler en termes auditifs, c'est, je pense que c'est Nico. J'hésite. Ouais, il y a Nox et il y a Pipou. C'est ceux qui vraiment mettent le plus d'intensité. Et le plus de voix en général. Ils gueulent dans, on va dire, Nico. Ouais, ils gueulent tous. Hein. Y a différents types de perfectionnistes chez Eagle Gaming. Il y a des perfectionnistes sur leur style individuel. On pense à Nico, évidemment, qui va toujours essayer de faire le moins d'erreurs possible concernant son jeu. Après, il y a des perfectionnistes sur la stratégie. Et là, je pense que c'est clairement Nox, Lilbo et Pipou qui sont les plus avancés là-dedans. Même si Leaf a apporté une patte intéressante là-dessus ces derniers temps. Le perfectionniste... Je sais pas, je pense qu'on est un peu tous perfectionnistes, on est tous très attentifs. Peut-être Nico, parce que Nico il veut vraiment s'appliquer et je trouve que c'est vraiment celui qui bosse le plus dans l'équipe et qui s'investit vraiment à fond. On est tous un peu perfectionnistes. Je dirais soit Nox, soit moi. Le perfectionniste, Nox 100%, il veut toujours que ça soit parfait. Et je dirais Nico aussi, il est dans ce mindset. Lilbo. Alors il y en a un qui est particulièrement rigolo, c'est Super Plouk. Il a sa façon de faire des blagues et c'est vrai qu'à chaque fois ça fait rire un petit peu tout le monde. Ah bah là c'est facile, hein. Il s'appelle Amaz, c'est un peu le fou de l'équipe. Hein. Et il nous fait bien rire, il permet de détendre l'atmosphère et c'est vrai qu'on a besoin de ça dans une équipe. Amaz, Super Plouk, Lilbo. Bah, le pronostic, c'est qu'on va aller chercher la victoire. Après, forcément, comme je disais, ça reste un match difficile et on le prendra pas à la légère. Je pense que ça va pas être un match facile. Pour moi, je nous vois gagner 3-1. 3-1 pour nous.
J'ai pas envie d'avoir la lagging, donc j'espère qu'on va gagner, c'est tout ce que je souhaite, peu importe. 3-0. Une expérience. Pour résumer cette semaine de bootcamp, la rigueur. À l'image de ce que l'équipe pouvait être au début. Unité. Délice. Ben, ça fait super plaisir en tout cas de voir qu'à chaque fois qu'on joue, il y a beaucoup de monde qui nous soutient. On travaille dur tous les jours pour essayer de vous proposer le meilleur spectacle possible. Et continuer comme ça, et ça fait chaud au cœur, et les joueurs, ça leur fait du bien, ça les pousse à aller de l'avant. Donc après, on est toujours ouvert aux commentaires constructifs, mais en tout cas, merci de votre soutien. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui nous suivent, qui suivent l'équipe Eagle Gaming et qui nous supportent. Voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus pour le match qui va arriver. On va se donner à 100%. Et merci à tout le monde, merci aussi à Eagle et tout le staff. Je remercie beaucoup la communauté française Overwatch de nous soutenir. Ça nous fait très chaud au cœur de voir que vous ne portez pas seulement les personnes qui ont pu évoluer jusqu'à maintenant dans la communauté française pendant le World Cup, pendant tout ça. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous avez encore de l'énergie pour nous. Ça nous fait très chaud au cœur et j'espère vraiment qu'on ne va pas vous décevoir. Bon, merci à tous. C'est toujours sympa d'avoir beaucoup de retours sur Twitter, d'avoir autant de soutien. Franchement, ça fait chaud au cœur et merci beaucoup. Merci.